Pretty. Oui, maman. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est plutôt à Chibouzor de faire le ménage dans la maison, voyez. Bonjour, maman. T'inquiète pas, j'aime bien aider à la maison. Ça ne me dérange pas. Non, 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 non. Arrête de couvrir Chibouzor. Tu es là depuis une semaine et tu dois te reposer. Maman, t'inquiète pas. Chibouzor est comme notre bébé. De son vivant, Onyebuchu la chouchoutait tout le temps. Onyebuchu. Je n'arrive pas à croire que cela fait déjà un an qu'il nous a quittés. Il me manque tous les jours. Il me manque terriblement. Parlons d'autre chose. Je vais aller au marché pour faire quelques courses. Et je sais que tu adores la soupe de poisson. Attends, je t'accompagne. Non, 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 s'il te plaît. Reste ici et repose-toi. Mais dis-moi, où est ma petite fille? Elle est à l'intérieur. Très bien. Surtout, prends soin d'elle. Je ne serai pas trop longue. D'accord, maman. À tout à l'heure. Passe une bonne journée. Toi aussi. Ce n'est pas discutable, d'accord? Ah, cher beau-frère, soyez les bienvenus. Merci. J'ai apporté de quoi grignoter. Servez-vous. Merci. C'est le moment de donner les nouvelles. Tu le fais? Je m'en occupe. Je tenais vraiment à vous remercier de m'avoir accompagné lors de la cérémonie funéraire, celle de mon défunt fils. Et à l'enterrement, j'ai vraiment apprécié, merci. Okay. Tu n'as pas vraiment à nous remercier pour ça. Après tout, c'était le fils de notre défunt frère. Merci. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux qui nous emmène ici. De plus sérieux comme quoi? En tant que les hommes de cette famille, nous sommes très inquiets. Maintenant que ton fils n'est plus, nous pensons à sa descendance. Hé, quand vous avez mentionné quelque chose de sérieux, j'ai cru qu'il y avait un problème grave. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Et c'est quoi le problème avec sa descendance? Nous n'avons personne d'autre pour hériter de notre défunt frère. Je veux parler de son statut, celui de garant de notre sang. C'est un statut très prestigieux, très important pour nous, qui nous a été légué par nos aïeux, et ce, depuis très longtemps. Nous ne voulons pas le perdre. Nous ne voulons absolument pas le perdre. C'est une tradition qui dure depuis plusieurs années dans notre famille maintenant. Notre père a assumé cette fonction. Ensuite, notre défunt frère. Et ensuite, il y a eu notre défunt neveu, Onyebuchu, avant sa mort. En effet. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Cher beau-frère, je dois avouer que je suis perdue. Vous savez très bien que je ne suis plus en âge de procréer. Et de toute façon, votre frère, mon mari, n'est plus de ce monde. Hein? Écoute, chère belle-sœur, tu dois prendre cette histoire au sérieux. Très au sérieux. Si rien n'est fait pour y remédier, ça causera d'énormes problèmes dans oui, cette famille. De grandes malédictions risquent de tomber sur cette famille, pour toujours. Mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Zara n'est qu'une enfant et en plus, vous comprenez? Oui, on sait que Zara est encore jeune. Et il est évident qu'à son âge, elle ne puisse rien y faire. Jamais Zara ne pourra régler ce problème en endossant ce statut parce qu'elle est appelée à se marier. Effectivement. Dans ce cas, quelle est la solution? Voilà, je peux y aller. Le terrain est dégagé. Eh bien, la solution à ce problème, c'est de trouver une jeune fille dans la famille qui soit capable, je veux dire, qui ait l'âge, de porter une grossesse. Afin d'engendrer le garant du sang. Et si jamais cette fille n'est pas de notre sang, c'est un homme de la famille qui la mettra enceinte. C'est tout. Et c'est étant donné que nous sommes les aînés... Survive with this pain. How can the eye see without the head?
Maman, tu as un souci? Tu as l'air inquiète depuis quelques jours. Non, ça va. Où se trouvent Iriti et Zara, ma petite fille? Elles sont sorties acheter des biscuits pour la petite. Ah, d'accord. Maman, tu penses encore à mon grand frère? Maman, ça fait un an maintenant. Ne t'inquiète pas, je ne pensais pas à lui, je vais bien. D'accord? Tu en es sûre? Tu en es sûre? Sûre et certaine, puisque je te le dis. Je n'ai aucun problème, ne t'inquiète pas. Si tu le dis. Dis, maman, je peux partir avec grande sœur Iriti en ville. En fait, j'y pensais depuis un moment. Ma fille, tu resteras ici préparer tes examens. Je ne veux pas que tu ailles en ville. Mais maman, je n'arrête pas les études, c'est juste pour les vacances. Peu importe, tu resteras ici étudier. Tu n'iras nulle part, sache-le. Ok? Juste passer un mois de vacances en ville, c'est possible. Comment ça, juste un mois de vacances? C'est trop quand on a des examens à préparer. Tu veux que je garde tes biscuits? Ah! Non! Enfin, tu ne veux vous pas? Voilà. Ah, oh, maman! Où est-ce que vous venez, vous deux? Où est-ce que tu vas comme ça, maman? Zara, Zara! Zara, Zara! Tu ne souris pas à mémé aujourd'hui? Tu veux que je prenne ton biscuit? Allez, souris maintenant. Mon joli cœur, voilà, c'est tout Dis-moi, ce que je te demande. Où est-ce que tu vas, maman? Je vais rendre visite à quelqu'un. Je reviens tout à l'heure, surtout prends bien soin d'elle. D'accord, maman. Voilà, mais tu souris maintenant. Je vais prendre ton biscuit, tu souris. Ok, j'y vais. À tout à l'heure, maman. À tout à l'heure. Adané. Hé, Ngozi. Tu sortais? Oui, j'étais sur le point. De sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te parler, mais vu que tu sors, je reviendrai plus tard. Non, viens. Tu n'as pas l'air en forme. Viens t'asseoir. Qu'est-ce qui te tracasse? Ouf, ma chère. Viens, viens qu'on s'asseye d'abord. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on a vieilli. Ça, c'est bien vrai. Attends que je nettoie un peu. C'est pas la peine. Actuellement, ce n'est pas ce qui importe le plus. J'ai Dis-moi. Beaucoup d'autres choses en tête. Tu as l'air assez troublée. Plus que troublée. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ma belle, c'est grave. Je ne sais même plus où donner de la tête. Oh, ma sœur. Je ne sais pas par où commencer. Commence n'importe où, hein? Très bien. Commence quelque part. Il y a 2 jours de ça, ton mari et chef Ekwe m'ont rendu visite. Ils disent que parmi les filles, les 2 filles qui sont chez moi, l'une d'elles doit donner naissance au prochain garant du sang. Le garant du sang? Qu'est-ce que c'est que le garant du sang? Tu n'en as jamais entendu parler? C'est une tradition familiale qui se transmet de génération en génération. Comment se fait-il que je n'en sache rien? De son vivant, mon mari, il m'en avait parlé une fois il y a très longtemps. Hein? Mais tu sais quoi? Ce n'est vraiment pas ça mon problème. C'est quoi? Mon problème, c'est qu'ils disent que Shibuzor pourrait être celle qui mettrait au monde le prochain garant du sang.
Alors que tout ce que j'avais en tête depuis tout ce temps, c'était d'imaginer le mariage traditionnel de ma fille. Comment serait la décoration, sa tenue? J'ai même pensé à notre uniforme. Hey. Aujourd'hui, je dois accepter qu'elle reste à la maison juste pour enfanter. Ça jamais. Hey. Hein? Comment imaginer Chibouzor avec toute sa beauté? Rester sans se marier, tout ça au nom d'une tradition de garante du sang. Tu te rends compte, c'est impossible. C'est ce que je me dis aussi. Je suis allée plus loin, je leur ai même proposé de donner ce statut à l'un de leurs garçons. Et catégoriquement, ils ont dit non. Ils disent que ça doit forcément passer du fils aîné au fils aîné suivant et ainsi de suite. Mais ça n'a aucun sens. Mais justement, ma belle, en fait, le pire dans tout ça, c'est que mon défunt fils n'a jamais suivi la tradition à la lettre. Ça ne l'intéressait tout simplement pas. Voilà qui met fin à tout ceci. Il n'y a plus rien d'autre à régler. Tu t'inquiètes beaucoup pour rien. Et ce n'est pas fini. Si je ne veux pas donner ma fille, je dois leur donner Iriti. Ta belle-fille? Oui. Et à qui? Bien, puisque tu me le demandes, je vais te le dire. Vas-y. S'il s'agit de ma fille, elle doit prendre une grossesse en dehors de la famille. Mais si c'est Iriti, ma belle-fille, elle doit se faire engrosser par un des hommes de la famille. Comme ton mari, par exemple. Ou alors par chef Ekwe. Tu me comprends? Un homme comme... Un homme comme ton mari. Tu parles de mon mari? Oui, ton mari, tu as très bien entendu, c'est lui-même qui me l'a dit. C'est soit lui, soit l'autre. C'est ce qu'ils m'ont dit, en tout cas. Ah, ces hommes. Tout s'explique maintenant. Voilà l'histoire. Donc, monsieur mon mari est en fait intéressé par cette jeune fille. Il a commencé à imaginer ce qu'elle a sous sa jupe. L'autre aussi le suit dans cette bêtise. Ah, Adam, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce sont les aînés de la famille. Les hommes ne changeront jamais. C'est pour cela que tout ce qui les intéresse, c'est comment se vider le bas-ventre. Tu l'as dit. Les hommes. Alors tu vois, je ne sais vraiment pas quoi faire. La vérité, c'est que je suis vraiment confuse. Si ça t'intéresse, je peux te donner mon avis. Étant donné que chef Ekwe a perdu sa femme il y a longtemps, il n'y aurait donc aucun problème à ce qu'il couche avec Iriti. Ah, hein? Adané, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu veux que je le dise encore? Ma belle-fille Iriti, s'il te plaît, n'y pense même pas. Il est vrai qu'elle n'est pas de mon sang, mais j'aime cette fille. Je l'aime vraiment. Elle est comme ma propre fille, tu vois. Ngozi. Et je ne peux pas imaginer Ngozi lui faire ça. Ngozi, oublie ça. Oublier, tu dis? Problème. Mais dis-moi comment. Puisque la famille a déjà pris sa décision, la meilleure option, c'est de désigner Iriti. Ou bien tu veux que ce soit Chibouzor? Jamais de la vie. Alors permets que ce soit Iriti et c'est tout. Il te revient de t'assurer qu'Iriti soit celle qui enfante le prochain garant du sang de la famille, son mari étant décédé. Si tu ne le fais pas, c'est clair qu'ils te diront de donner ta fille en échange. Et c'est justement ce que je veux éviter. Donc, mon fils est décédé et si je permets ça, je sacrifie ma seule fille. Ah, Iriti, ma fille. Ah. Le dîner est prêt. J'ai déposé ton plat sur la table à manger. Tu as insisté pour faire le dîner. Mais bien sûr. Merci. Il n'y a pas de quoi. Tu fais tes bagages? Oui, je dois retourner travailler, tu sais. D'accord. Il y a un... J'aimerais m'entretenir avec toi d'un sujet. D'accord. J'espère que tout va bien. Oui. Oui, tout va très bien. Est-ce qu'Oni Ebuchu t'a déjà parlé du statut de garant du sang dans notre famille? Eh bien, ce n'est pas bien grave, c'est juste... c'est un devoir familial qui lui revenait, mais il ne l'a jamais vraiment pris au sérieux. Ah, ok. Tu le connais. Et ce... Tu sais, c'est un devoir qui lui avait été transmis par... c'est une tradition transmise par son arrière-grand-père, à son grand-père et ensuite à son père. Et lui, il en a hérité. Oh. C'est ça. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ça maintenant? Pour rien, il n'y a pas vraiment de raison. D'accord. Voilà, écoute, n'en parlons plus, d'accord? Tu sais, demain, certains des aînés de la famille viendront nous voir. Alors, j'ai pensé, je voudrais que tu sois particulièrement présentable pour les recevoir. Nous devons les remercier de nous avoir assistés pendant la cérémonie. Oh, bien sûr, oui, bien sûr, c'est évident. Oui, bien oui. Compris, maman. Ok, je vais te laisser. Et n'oublie pas, hein, ton dîner, t'as... Oh oui, ne je le vais laisse manger pas refroidir. Ah, d'accord, alors... Bonne nuit. Enfin, à tout à l'heure. Merci, maman. Je sors tout à l'heure. D'accord, ma fille.
Ikwe, qui crois-tu qu'elle choisira entre nous? Mais bien sûr que c'est moi. Si elle fait ça, j'utiliserai mon droit d'aînesse. Pourquoi? Tu es marié? On verra bien. Elle est là. Bonsoir, chers aînés. Bonsoir. Iridi, comment vas-tu? Je vais bien, merci, monsieur. Iridi, tu te demandes sûrement pourquoi nous avons demandé à te voir. Oh non, pas vraiment. Je devais juste venir saluer les aînés avant de me rendre en ville. Pour la ville? Oui, je pars demain matin. Ma fille doit retourner à l'école et moi au travail. Écoutez-moi ça, hé! Voilà le genre de choses qui se passent quand les gens ne restent pas attachés à leurs traditions. Et quand on veut vous y initier, vous rejetez du revers de la main nos traditions, en ignorant les conséquences sur le reste de la famille. Ah! Pardon? Nous avons fait le déplacement pour te dire que tu n'iras nulle part. Je ne vous suis pas. Très bien. Tu as été désigné pour mettre au monde le prochain garant du sang de notre famille. Quoi? Désigné pour enfanter qui? Le titre de garant du sang a été détenu par ton défunt mari Onyebucho. Très bien. La solution est très simple. Pour te simplifier les choses, tu as le choix entre me choisir moi ou lui comme ton compagnon pour faire le nécessaire. Exactement. L'enfant que tu porteras sera automatiquement le prochain garant du sang de cette famille. Que Dieu m'en garde. Hé, qu'est-ce qu'elle raconte? Hors de question que je fasse une chose aussi barbare. Hein? Elle a bien dit barbare. J'en ai bien peur. Maman, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Hein? Tu as entendu ce qu'ils viennent de dire? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, ok, c'est... Vas-y, explique-lui, pour qu'elle comprenne bien. Tu peux le croire. Iridi, ma fille. C'est la tradition. C'est la tradition. Ce n'est pas une tradition, c'est une idiotie. Quoi? Je ne ferai pas une telle chose. Jamais de la vie. Hey. Que ce soit clair. Tu sais quoi? Apparemment, on ne s'est pas bien fait comprendre. Sache que ce n'est pas une doléance. On va tous se calmer. Nous venons t'informer de notre tradition et tu te permets de nous raconter n'importe quoi. Pas besoin. Crois-moi, tu vas le faire. Je suis sûre qu'on finira par s'en quitter. Parle-lui alors. Si tu ne le fais pas, nous exactement. Le serons pour toi. Ce sera avec ou sans ton consentement. Si vous le voulez, vous pouvez me plier en deux, mais je ne le ferai pas. Hey. Et dis donc, tu as entendu ce qu'elle a dit? Laissez-moi lui parler. Maman, tu sais qu'on ne parle pas à la bouche pleine, non? Tu veux t'étouffer avec la nourriture. Désolée, maman. Mais maman, est-ce vrai? Est-ce vrai que tu es d'accord pour qu'Iriti fasse un enfant pour le nom de la famille? Il y a quelque chose de mal à ça. Bien sûr qu'il y a quelque chose de mal, maman. Oh. Comment tu peux faire ça, Iriti? Je croyais que tu l'aimais. Qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? Peut-être que tu voudrais le faire à sa place. Moi? N'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Tes oncles ont décidé que la tradition du garant du sang de la famille doit continuer. Et donc, j'ai décidé de me servir de ma tête afin de m'assurer que ce soit Iriti qui le fasse. Tu vois? Alors laisse-moi te dire, oublie Iriti un instant. Il voulait que ce soit toi qui le fasse. C'était que toi, Iriti. Bien sûr, tu sais ce que ça veut dire. Tu aurais dû faire un enfant avec un homme qui n'est pas de ce village. Et tu n'aurais jamais pu te marier à l'homme que tu aurais choisi. Alors, tu comprends pourquoi Iridi doit le faire. C'est soit Iridi, soit personne. Maman, cette tradition est dépassée. Et c'est barbare. Ma chère enfant, laisse-moi te donner un conseil. Tu ferais mieux de la convaincre afin qu'elle accepte de le faire pour nous. Sinon, ma fille... Tu vas devoir t'y coller.
pour te simplifier les choses, tu as le choix entre me choisir moi ou lui comme ton compagnon pour faire le nécessaire. L'enfant que tu porteras sera automatiquement le prochain garant du sang de cette famille. Elle a accepté. Ah. Depuis l'autre jour, elle s'est enfermée dans sa chambre et n'en sort plus. Elle ne parle à personne, elle ne dit plus rien et je ne comprends pas. C'est pourtant simple à comprendre. Donc, ce qu'elle prévoit, c'est se remarier. Mais c'est une jeune fille, non? C'est logique, tu ne trouves pas? Ah bon? Tu es devenue son avocate. Non, mais c'est... Pas de problème. Dans ce cas, le garant du sang viendra de ta fille Shibuzor. Hein? Ben oui. Pitié, ne dis pas ce genre de choses. Shibuzor est la seule fille que j'ai. Oublie-la, s'il te plaît. Elle doit se marier. Donc tu fais le nécessaire. Fais le nécessaire, convainc-la d'accepter. Dans le cas contraire, nous prendrons des solutions drastiques, ma chère. Des solutions drastiques? C'est ça. Pitié, ne prenez aucune décision drastique. Laissez-moi lui parler encore une fois et nous verrons bien ce qui va voilà. se passer. Voilà, le plus tôt sera le mieux. Parce que... plus tôt le garant du sang naît, mieux ce sera pour tout le monde. Compris? J'ai compris. Entre-temps, on s'est accordé, Eko et moi, tu sais, de se remplacer pour la partager. On fera chacun son tour. Eko aura son tour, moi aussi. On va se remplacer, tu vois. Bon frère, hein? Ce sera à vous de le faire. Je pensais que ce serait l'un des jeunes hommes de la famille. Mais non, ils ne sont pas encore matures. Franchement, cette histoire commence à me dépasser. C'est parce qu'il s'agit de mettre une femme enceinte. Ce n'est pas un jeu. Il assure son tour et moi j'assure le mien et c'est tout. Hein? Très bien, j'y vais. Parce que toute cette histoire, franchement... Qu'est-ce qui te dépasse dans ce que je viens de dire, hein, Ngozi? C'est quoi ton problème, dis-moi? Pour une fois, fais juste ce qu'on t'a demandé. Et nous, les doyens, avec toutes nos expériences, allons assurer le reste. Que comptes-tu faire? Tu comptes accepter? Que Dieu m'en garde. Je ne me laisserai jamais utiliser comme un vulgaire objet. Hors de question. Est-ce que tu as une solution? Pas encore. J'espère arriver à convaincre maman. Dis, belle-sœur, à y penser plus sérieusement, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas grave, je veux dire. Faire cet enfant signifie que tu resteras dans la famille. Comment tu peux penser ça? Sérieusement, je devrais gâcher ma vie juste pour un arrangement? Ce n'est pas un arrangement. Alors qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi. Je suis désolée. Je ne le pensais pas. Écoute, je ne l'accepterai pas. Si je suis encore ici, c'est parce que maman ne m'a pas autorisée à partir. Je vois. Maman, tu voulais me voir? Oui, oui, assieds-toi. Iriti, ma fille. Maman, je t'en prie. Hé, maman, maman, relève-toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Tu peux me le dire? Je sais bien que c'est moi qui t'ai impliquée dans cette situation. Si j'avais donné naissance à un autre fils, il aurait directement hérité de ce statut. Et on ne serait pas dans une telle situation. S'il te plaît, ma fille. Je t'en supplie, ne me tourne pas le dos. Ne tourne pas le dos à ta mère, s'il te plaît, je t'en prie. Ma fille, s'il te plaît. Ne me tourne pas le dos, je t'en prie. Maman... Je t'en supplie. Maman, je t'en prie. Je t'en supplie, Hérédie. C'est moi qui te supplie, maman.
Je t'en supplie. Je t'en prie, Rété. Je t'en supplie, maman, ne fais pas ça. S'il te plaît, Rété, accepte d'honorer cette tradition. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Non, je refuse de le faire. Maman, s'il te plaît. Écoute-moi, je n'ai pas du tout le choix et je ne sais pas quoi faire. Non, Rété, je t'en prie. Non, maman, non. Fais ça pour ta maman, s'il te plaît, ma fille. Non, maman. Ma sœur Adané, j'ai parlé. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Jusqu'à ce que je n'ai plus de salive dans la bouche. Je l'ai supplié, j'ai plaidé auprès d'elle. Je lui ai tout expliqué en détail, juste pour lui faire comprendre par quoi notre famille passerait si elle ne le fait pas. Mais rien. Tu es trop gentille avec elle. Ah, en quoi est-ce que je suis gentille dans cette histoire? Tu es en train de laisser l'amour que tu as pour cette fille t'aveugler. Voilà en quoi tu es gentille. Qu'est-ce que je suis censée faire? Lui mettre un couteau sous la gorge? En tout cas, si cette fille était ma belle-fille à moi, hein, hey, je serais beaucoup plus dure. Je lui ferais avaler son refus. Si c'est ce qu'il faut faire pour qu'elle accepte de se soumettre, alors je le ferai. Oh, je t'en même prie. S'il faut la menacer. Tu es en train de me dire que je devrais la menacer? Tu as tout compris. Il faut la menacer. Ah. Qu'est-ce qui te fait peur au juste, dis-moi? Tu as peur qu'elle ne t'aime plus? Le problème n'est pas qu'elle ne m'aime plus. C'est quoi le problème? Je veux dire qu'elle est innocente en réalité. Ce n'est pas ma juste. Ma chère Ngozi, hein? Est-ce que tu as oublié qu'il fut un temps où les femmes n'avaient pas leur mot à dire sur quoi que ce soit? Lorsque les hommes de la famille prenaient une décision, c'était définitif. Je le sais. Et cette petite se permet de discuter leur décision. Pourquoi tu permets cela? D'accord, j'ai compris. Pas de problème. Il faut que je m'en aille. Je dois aller au marché. Normalement, elle ne doit rien voir venir. Elle ne doit rien voir venir. J'ai parlé. J'espère que tu as compris. Surtout, n'oublie pas de lui mettre la pression, si tu vois ce que je veux dire. Car si tu ne fais pas ça, ça retombera sur Shibuzor. Pauvre petite. Ah. Imagine-le en train de prendre ta fille. S'il te plaît, arrête. Tu veux me faire vomir ou quoi? Je ne veux même pas penser à une chose pareille. Mais je dois te le dire, écoute. Ils feront d'elle tout ce qu'ils veulent. C'est hors de question qu'ils touchent à ma fille. Heureusement que tu as Iréti. Laisse-la faire ça à sa place, sinon tu connais la suite. Ils ne toucheront pas à Shibuzor. Il faut que je m'en aille. Vas-y tranquillement. Je ne peux même pas l'imaginer dans leurs bras. À plus forte raison ce que tu sais. Iréti? Maman? Ah. Que se passe-t-il ici? Pourquoi est-ce que tu ranges tes affaires? Je voulais te parler de quelque chose. C'est juste que... Non, non, Iréti, réponds d'abord à ma question. Pourquoi est-ce que tu ranges tes affaires, dis-moi? Maman, j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué. Ok, et je le comprends parfaitement, mais... C'est juste que Je ne peux pas... Tu ne peux pas faire quoi? Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. C'est contre mes principes. Iréti, tu n'es pas sérieuse. Quoi? Où est-ce que tu crois aller comme ça? Écoute bien. Tu dois rester ici et surtout accepter d'honorer nos coutumes et nos traditions. C'est irrévocable. Mais maman, je ne peux pas le faire. Tu sais que je ne peux pas. Iréti, après que je t'ai supplié de le faire... Maman, il ne s'agit pas de toi, voyons. Il s'agit de moi. Je suis la personne concernée par cette situation. Je t'ai vraiment... Je t'ai traitée comme ma fille. J'ai cru que tu ferais ça pour moi. Ok. Et Shibuzor, n'est-elle pas éligible? Elle l'est plus que moi. Comment oses-tu prononcer le nom de Shibuzor? Ça ne va pas chez toi. Tu sais quoi? Je pensais vraiment que tu étais une gentille personne. Une fille gentille, une fille bien. C'est évident que je me trompais depuis tout ce temps. Laisse-moi te dire une chose. N'essaie pas de quitter cette maison. Si tu bouges d'un seul poil, j'ai dit d'un poil, je me chargerai de te couper les deux pieds. Tu resteras ici pour honorer la coutume et la tradition. Non mais, attends. Hein? Les enfants d'aujourd'hui se prennent pour qui? C'est une belle question. Je ne sais pas. Et si je savais, je t'aurais écouté.
Au lieu d'être aussi tendre, j'aurais dû être très ferme avec elle. Je te l'avais bien dit. J'avais bien raison. Tu avais totalement raison. Ce n'est pas croyable. En tout cas, j'ai pris ma décision. Et qu'est-ce que tu as décidé? En fait, j'ai décidé de mettre au courant ton mari et le doyen Ikwe, afin qu'il se prépare à concevoir le prochain garant du sang. Écoute, Ngozi, s'il te plaît, n'inclus pas mon mari dans cette histoire. Ne le mêle pas à tout ça. Ce que je dis doit rester seulement entre toi et moi, je t'en supplie. Je comprends très bien, mais le fait est que ton mari est l'aîné de la famille. S'il te plaît, fais comme j'ai dit. Et surtout, quand tu iras les voir, faudra leur dire que Ireti a elle-même décidé de le faire avec Ikwe. D'après ce qu'ils m'ont dit, ça ne concerne pas le cadet de la famille. C'est mieux qu'on parle d'autre chose. Et si jamais elle s'enfuit? Comment ça, si elle s'enfuit? Tu ne crois pas que c'est possible? Elle pourrait prendre sa fille et s'enfuir avec elle. Et si elle fait ça, alors tout ce que nous avons planifié tombera à l'eau. Qu'est-ce que t'as dit? Avec qui elle va s'enfuir? Tu as bien entendu. Tu parles de ma petite fille. Elle ferait mieux de ne jamais y penser. Cet enfant appartient à la famille, pas à elle. Ah non, 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 non. Ce n'est pas possible. Il vaut mieux qu'elle ne fasse pas cette erreur. Dans ce cas, tu dois rester vigilante. Parce que tout peut arriver à n'importe quel moment. Garde les yeux ouverts. C'est bien compris. Et s'il te plaît, quoi que tu décides de faire, fais en sorte de ne pas y inclure mon mari. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu me dis ça. Je te demande juste de ne pas le faire et j'aimerais que ça reste entre nous. Mais je suis censée faire quoi? Je dois leur dire Dis-leur simplement qu'elle a accepté le doyen Mazi et quoi? Non, ils n'ont pas mentionné quelqu'un en particulier. Chibouzor. Ah, ah. Ah oui, Chibouzor. C'est comme ça que tu veux tout foutre en l'air, n'est-ce pas? Tu veux réduire tous mes efforts à néant. Tu verras. Désolée, maman. Allez, toi, dégage. Désolée, maman. Maman, je t'en prie. Et toi? Je voulais... Je ne veux pas causer d'ennui. Tu ne veux pas causer d'ennui? Je voulais juste m'en aller. Tu voulais faire quoi? Tu voulais t'enfuir avec ma petite fille? Hein? C'est ça? C'est juste que je ne peux pas faire ça, maman. Où allais-tu avec ma petite fille? Viens. Maman. Allez, viens, n'aie pas peur, mon cœur. Non, maman. Lâche la petite là-dedans. Je vous en prie. Viens, ça fâche toi. Viens, hein? S'il te plaît, maman. Laisse la petite. Laisse-la. Rends-moi ma fille. Rendez-moi ma fille. Tu nous prenais pour des idiotes. Tu veux détruire notre famille. Espèce d'égoïste. S'il te plaît, maman, rends-moi ma fille. Ne t'approche pas. Je voulais t'enfuir avec ma petite fille. Vas-y. Je suis désolée. Vas-y, explique-moi. Non, dis-moi, à qui ai-je fait du mal? Mon fils est mort subitement il y a un an à peine. Et toi, tu préfères que tes oncles te maintiennent dans cette famille? Je suis désolée, je suis désolée. Tu es désolée? Tu sais quoi, tu vas rester là et je vais te chicoter copieusement. De cette manière, tu vas réfléchir comme il se doit. Je vais te faire réfléchir, tu entends? Maman, je suis désolée, c'est juste que je me sentais vraiment mal pour grande sœur Ireti. Oh, laisse-la partir, s'il te tu plaît. Tu veux que je la laisse partir? Oui. Et tu prendras sa place, c'est ça? C'est ça que tu veux? Tu veux prendre sa place? Comme ça, tous les jeunes garçons du village pourront coucher avec toi. C'est ce que tu veux vraiment? Dis-moi, c'est ce que tu veux? Je te le demande et tu vas me répondre. Mais, maman, c'est ce que tu veux pour grande sœur Ireti? Si tu ne le veux pas pour ton enfant, pourquoi tu le veux pour l'enfant d'autrui? Est-ce que t'es bête? Hein? Reviens ici! À cause de toi, j'ai failli me blesser. Si je t'attrape, je te jure que tu n'aimeras pas ce que je vais te faire. Maman! Je fuis! Dans ce cas, ne reviens pas! Il vaut mieux pour toi que tu restes dehors, imbécile! Tu t'es fait des amis, n'est-ce pas? Je t'attends ici. Tu viendras me trouver à la maison. Idiote. Surtout, ne reviens pas. Maman, où se trouve mon enfant? Où se trouve ma fille? Ton enfant est avec moi. Rends-la-moi, maman, s'il te plaît, pitié. Je ne le ferai pas. Écoute-moi bien. Tu peux t'enfuir aussi vite que tu veux. Hein? Je m'en fiche complètement. Mais je veux que tu saches une chose. Quoi que tu refuseras de faire, ta fille restera ici. Elle le fera à ta place. Ah oui.
Maman, tu ne peux pas dire une telle chose. Zara n'a pas l'âge de faire une chose pareille. Comment? Ce n'est même pas imaginable. C'est une gamine, maman. Une gamine? Le choix te revient. Un jour, cette gamine deviendra une femme. Et elle fera ce que tu refuses de faire aujourd'hui. Puisque tu penses que notre tradition est dépassée, non. Tu peux t'en aller. Maman, je ne te laisserai pas lui infliger ça. Je te combattrai. Et je te combattrai, moi. Je te préviens que je te combattrai. Et puis après, je ne te laisserai pas faire ça. Je ne te laisserai pas non plus. Laisse-moi te dire que je te combattrai à mon tour. Tu vas arrêter de me supplier. De deux choses l'une, soit Zara le fait. Hein? Et si tu ne veux pas, tu n'as qu'à sacrifier ton machin. Après tout, tu n'es pas vierge. Hein? Maman, est-ce qu'elle a mangé? Maman! Maman, laisse-moi au moins la voir. Laisse-moi voir mon enfant, je t'en prie. Not much might left to me. I can feel my strength run out for me. Standing on the wrong side of destiny. Trying to hold on to what I need. One moment of happiness. Of joy. Oh. If I can breathe. Hey, doucement. Kechi? Oui, ma tante. Emmène-la chez ta mère pour moi, tu veux? Tu diras à ma sœur que je viendrai la voir. D'accord, ma tante. Un taxi vous attend à l'entrée. Zara? Au revoir, Zara. Hey! Coucou, ma petite. Bonjour, Zara. Bonjour, ma tante. Comment est-ce que tu vas? Tu as très bonne mine. Ngozi, où est-ce qu'elle va avec Zara? En fait, elle l'emmène chez ma petite sœur. Elle va y rester un moment. Je ne m'y attendais pas. C'est une très bonne idée. Tout ce qui emmènera Ireti à changer d'avis, on ne doit pas hésiter à le faire. Oui, mais je suis un peu inquiète de garder Ireti enfermée. Et si... Et si sa famille vient ici et pose des questions? Et s'ils font quoi? Et s'ils viennent et font quoi? Ce sont ses parents qui t'inquiètent. Hein? Est-ce qu'ils n'ont pas leur propre tradition? Évidemment. Est-ce qu'on y interfère? Pas du tout. Alors tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Parfois, je n'arrête pas d'y penser, honnêtement. Ma belle Ngozi. Oui, ma belle. Tu as déjà donné le feu vert et ta parole aux aînés. Tu détiens sa chère fille. Garde-la enfermée. D'accord. Elle n'ira nulle part. Elle finira forcément par céder. Ah, ça c'est vrai. Alors t'inquiète pas. Continue comme ça. Elle reviendra bientôt à la raison. Tu as l'air sûr de ton plan. C'est la meilleure des choses à faire. Écoute, j'étais venue voir comment les choses se déroulaient par ici. Ah, d'accord. Je reviendrai plus tard. J'ai encore des courses à faire. Oh. Tu écourtes déjà ta visite. Ma chère. Aussitôt. Tu es venue faire 5 minutes ici, c'est tout. J'ai promis de passer voir une amie dans les parages. Mais tu passes en premier. Juste 5 minutes. Je ne vais pas durer avec elle. Ah, t'inquiète d'accord. pas, je reviendrai. D'accord. Tu gères bien. Continue pas comme de problème. Ça. Merci ne t'inquiète pour tes pas, encouragements. Ngozi. Elle va très bientôt revenir à la raison. Je l'espère. À tout à l'heure. Ok, achète de la viande en revenant. D'accord. Merci, à tout à l'heure. Tu en veux pour combien? 500 naira, j'espère que ce sera suffisant. Pas de soucis. Merci, ma sœur. À tout à l'heure. Voilà. Viens prendre ton déjeuner. Tu veux encore te priver de nourriture aujourd'hui? Pas de soucis, comme tu veux. Quoi qu'il en soit, tu ne t'enfuiras nulle part. Maman, tu es vraiment méchante. Je ne suis pas méchante. Je pensais te connaître, mais je réalise que ce n'était pas le cas. Je suis la même femme que tu as toujours connue. Je suis toujours ta maman, gentille et aussi aimante. La même femme en qui tu avais confiance. S'il te plaît, rends-moi mon enfant.
C'est tout ce que je te demande, je t'en prie. S'il te plaît, rends-la moi. J'ai besoin de la voir, je t'en supplie. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis désolée, je ne peux pas te permettre de la voir. Je ne peux pas t'aider. Elle me manque tellement. Je comprends très bien, mais tu ne peux pas la voir. Tu n'as qu'à remplir ta part par rapport à la coutume et à la tradition. Prends des forces. Vas-y, lève-toi et va manger. Va manger. Prends ton repas. Mais Zara, reviens ici. Reviens ici. Zara. Zara. One moment of happiness. Zara. Makes sense, man. Zara. Not much fine left to me. I could feel the strain drain out from me. Standing on the wrong side of destiny. Zara. 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 I think I'm losing my mind, oh. Nothing makes sense in my eyes, oh. I think I'm walking on a sinking sand, oh. Don't know what I'm doing, if it's right, oh. Not much fight left to me. I can feel my strength drained out from me. Standing on the wrong side of destiny. Trying to hold on to what I need. One moment of happiness, of joy. If I can redefine my life, I can rewrite my stars. If I can redefine my life. Où est-ce qu'elle a pu bien aller, maman? Hein? Je n'en sais rien. Où est-elle allée? Je suis sûre qu'elle n'est pas allée bien loin. Parce que la connaissant, oh, il n'est pas possible qu'elle s'en aille sans son enfant. Tu devrais t'inquiéter. M'inquiéter? M'inquiéter pour qui? Au lieu de t'inquiéter pour ta personne, tu te soucies inutilement de quelqu'un qui se fiche de toi. Oh, mais, maman, tu te rends compte? De quoi? Qui d'autre connaît-elle? Elle peut être perdue. Tu es sérieuse? Une vieille fille comme celle-là? Elle maman, connaît qui d'autre? Hey. C'est une grande fille, madame. Maman, ne sois pas aussi dure. Une veuve, en plus. Hey. Où étais-tu? Je m'inquiétais pour toi. Je cherchais ma fille. Est-ce que tu sais où elle est? Elle est en sécurité. Ne t'inquiète pas. Grande sœur! Maman! Hein? Regarde-la! Grande sœur! Arrête ton cinéma! Grande sœur! Iréti, arrête ton cinéma! Je maman, sais que tu le fais exprès. Maman, apporte de l'eau. Va vite chercher de l'eau. Maman! Chibouzor, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore? Maman! Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Grande sœur Iréti n'est pas là, je ne la vois pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On l'a laissée dans sa chambre pour toi. Maman, elle est partie. Je ne la vois pas. Elle est partie? Tu sais quoi? Va à sa recherche, va à la boutique, celle où elle achète les biscuits de sa fille. Oui, oui. Dépêche-toi oui, d'aller voir okay, si elle y est. J'arrive, je te rejoins tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'elle veut me faire, celle-là? Ah, officier, c'est la dame dont je vous ai parlé. Mais dis donc, Iréti. Oh, tu es allée appeler la police pour m'arrêter? Je veux retrouver ma fille. Madame, cette jeune dame dit que vous retenez sa fille. C'est vrai? D'où êtes-vous? Vous êtes de ce village? Répondez à ma question. Laissez-moi plutôt vous poser une question. Êtes-vous mariée? Madame, répondez à ma question. Sinon, vous passerez la nuit au poste. Vous allez me répondre avant. Supposons que vous êtes mariée.
et vous avez des enfants avec votre femme. Votre mère vous rend visite et rentre avec vos enfants. Et ensuite, votre femme va porter plainte dans un poste de police en disant que votre mère a kidnappé ses enfants. Dites-moi, est-ce que vous allez arrêter votre mère? Jeune dame, est-ce qu'elle est votre belle-mère? En effet. Ah, mais... En effet, mais quoi? Vous m'avez fait venir ici pour régler vos problèmes de famille? Écoutez, ce n'est pas ce que vous pensez. Je veux m'en aller, mais elle refuse de me laisser partir. Je veux ma fille. Écoutez, madame, si je vous revois encore au poste de police, je m'assurerai que vous passiez la nuit derrière les barreaux. Je vous fais enfermer immédiatement. Merci. Mais, officier. Vous êtes sage, merci à vous. Désolée. Regarde-toi. Tu devrais avoir honte de toi. Tu es allé porter plainte contre moi. Viens prendre de l'argent, tu vas aller faire des courses. Je te pensais vraiment beaucoup plus intelligente. Mais tu as perdu la tête. N'importe quoi. Dépêche-toi de venir prendre l'argent. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me rendes ma fille? S'il te plaît, maman. Où est Zara? Où est-ce qu'elle a caché ma fille? Mon enfant, je t'en prie, protège-la de toute mauvaise intention. Si je la retrouve, sa grand-mère ne la reverra plus jamais. On ne remettra plus jamais les pieds dans cette maison. Seigneur, je me sens tellement impuissante. Ramène-la-moi. S'il te plaît, Seigneur. Excusez-moi. Bonjour, madame. Est-ce que tout va bien? Madame, s'il vous plaît, parlez-moi. Je peux peut-être vous aider. Vous pouvez m'aider? Si c'est dans mes moyens, oui. Ma fille a été enlevée de force. Tout ce que je veux, c'est la retrouver. Ok. Ils ont pris votre fille. Qui a pris votre fille? C'est ma belle-mère. D'accord. Ok, votre belle-mère...
a pris votre fille. Vous en avez discuté avec elle? Non, 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 non. Elle ne m'écoutera pas. J'ai besoin que quelqu'un lui parle pour moi. Ah. S'il vous plaît, monsieur. J'ai besoin que vous m'aidiez à retrouver ma fille. Elle est encore toute petite. Excusez-moi, mais il faut que je m'en aille. Je suis vraiment désolée. Non, monsieur, je ne peux pas vous laisser partir. Je sais que vous pouvez m'aider. Aidez-moi, je vous en prie. Mais madame... Je ne peux parler à personne. Madame, c'est une histoire de famille. Je ne peux pas m'y impliquer. C'est ce que l'officier de police m'a dit. C'est la même chose que la police a dit. Je vous en prie, je ne peux plus supporter cette situation. Madame, écoutez, je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Je perds complètement madame. La tête. Où se trouve mon enfant? Où se trouve mon enfant? Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Madame, vous allez bien? Madame? Madame? Zara! Zara! Tu calmes. Madame, vous êtes à l'hôpital, d'accord? Vous ne devez pas vous inquiéter, vous irez mieux. Détendez-vous. Où est-il? Qui? L'homme qui m'a... Celui qui vous a emmené à l'hôpital? Oui. Docteur Shita? Il n'est pas de service aujourd'hui. Il est docteur? Oui, madame, il est docteur. Il travaille dans cet hôpital. Oh, doucement. Détendez-vous, d'accord? S'il vous plaît. Je veux le voir. Où est-ce que je peux le trouver? Ça sera possible demain, parce qu'il n'est pas de service aujourd'hui. Dites-moi, donc détendez-vous. Où est-ce qu'il vit? C'est très important. Vous voulez aller chez lui? Je ne sais pas. Vous devez vous reposer. Vous serez libéré aujourd'hui. S'il vous plaît, gardez votre calme, s'il vous plaît. Tout ira bien, d'accord? Tout ira bien, ok? Not much fight left to me. I can feel my strength drained out from me. Standing on the wrong side of destiny. Trying to hold on to what I need. One moment of happiness. Of joy. Ah. Où étais-tu, grande sœur? Nous t'avons cherché partout. Où est Zara? Je ne sais pas. Maman refuse de me dire où elle se trouve. Chibouzor, s'il te plaît. Tu ne dois pas m'infliger ça. J'ai besoin de ton aide, je t'en prie. Chibouzor, qu'est-ce que tu fais là? Va à l'intérieur. Allez, dépêche-toi avant que je ne m'énerve. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Dans cette maison, tout finit toujours par se savoir. Tu devrais être habitué, non? Je suis venue chercher ma fille. Oh, je pensais que tu l'avais déjà emmenée. Maman. Je te jure que ma fille me reviendra tôt ou tard. Elle me retrouvera. Je ferai tout. Je m'assurerai que tu ne la vois plus jamais. D'abord, retrouve-la. Tu peux toujours rêver. Tu négliges le lien qu'il y a entre une mère et sa fille. Oh, vraiment? Je te promets que je la retrouverai. Iréti. Iréti. Tu sais, j'ai toujours pensé que tu étais intelligente. Mais visiblement, j'ai eu tort. Et moi aussi, je pensais que tu avais bon cœur, mais visiblement, j'avais tort. Iréti! Maman! Hé, Iréti, tu me défies, c'est ça? Oui, c'est toi qui as commencé. Tu me mets au défi. C'est toi qui m'y oblige. Hé! Iréti! Je n'y crois pas. Reviens ici! Ah, madame. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? On vous a libéré, non? J'ai besoin de votre aide pour pouvoir retrouver ma fille. Ah, madame, je ne suis pas policier. Ça, c'est le boulot de la police. Je le sais. Je le sais, mais j'ai le sentiment que vous pouvez m'aider. Ah, j'ai besoin d'aide. Je suis désolé, madame. Je ne suis pas policier. Je vous l'ai déjà dit. Et en plus, j'ai un patient qui m'attend à l'intérieur. Désolé. Je suis vraiment désolé. Vous pourriez au moins... Écoutez... I think I'm losing my mind, oh.
Nothing makes sense in my eyes, oh. I think I'm walking on a sinking sand, oh. Don't know what I'm doing if it's right, oh. Not much fight left to me. I can feel my strength drain out. Oh, qu'est-ce que vous faites encore là? Je peux vous faire arrêter pour harcèlement, vous savez. Je sais que ce que je fais est illégal, mais je vous en prie, aidez-moi. Je vous en supplie. Je n'ai personne à qui parler. Madame, combien de fois je vais devoir vous le dire? Je ne peux pas vous aider. Désolée, mais je ne peux pas. Je sais que vous le pouvez. Je sais que vous le pouvez. Je vous entends dire non, mais je sais que vous le pouvez. Je vous en prie. Ok, d'accord. Ok, imaginons un seul instant que j'accepte de vous aider. Vous pouvez. Comment est-ce que je pourrais le faire? Votre problème, c'est un problème de famille, madame. C'est vrai, c'est un problème familial. Et en plus, écoutez. Les problèmes de famille sont traditionnellement résolus par les aînés de ces familles. Mais dans le cas où les aînés de la famille sont les concernés, que dois-je faire, docteur? Désolé, mais là, il faut que je m'en aille. J'ai vraiment eu une longue journée. Dites-moi, vous n'avez pas de fille? S'il vous plaît. Je suis désolé, croyez-moi, je ne peux vraiment rien faire pour vous. Je vous en prie, s'il vous plaît, je n'ai personne d'autre à qui parler. Vous êtes le seul à qui je peux... S'il vous plaît, je vous en prie. Aidez-moi. Montez dans la voiture. Merci, monsieur. Je dois vous avouer que je n'ai jamais fait ce genre de choses. C'est pareil pour moi. Alors, votre mari n'avait jamais abordé un tel sujet de son vivant? Pas du tout. J'aimerais parler à la famille de votre défunt mari, parce que ce n'est pas du tout raisonnable. Ils ont déjà pris leur décision. D'accord. Et si on demandait s'il y a moyen d'abandonner cette tradition ou ce soi-disant titre que votre mari avait, hein? Après tout, il est décédé. Vous croyez que ça va marcher? Je me dis qu'on doit au moins essayer. La tradition, on peut la changer, n'est-ce pas? Je crois que oui. Enfin, j'espère. Écoutez, je connais quelques personnes dans ce village qui sont assez influentes. Je vais m'entretenir avec elles pour voir si on peut faire quelque chose pour vous aider. Peut-être qu'on devra aller voir la chefferie. Vous feriez ça pour moi? Oh, voyons. Votre histoire m'a pratiquement bouleversé. J'en suis désolée. Vous savez quoi? Laissez-moi vous déposer avant de rentrer chez moi. Merci. Oh, pas de quoi. Ngozi! Ngozi, tu es là! Ngozi! Où se trouve cette fille? Grand frère! Ngozi, tu es là! Pourquoi est-ce que tu cries mon nom? Qu'est-ce qui se passe? Où elle est passée? Qui cette donc? Petite imbécile! Mais tu qui sais ce qu'elle a fait? Elle est allée me dénoncer à la chefferie. Hein? Après qu'on se soit tous mis d'accord, tous nos plans ont échoué. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Mais comment est-ce qu'elle est parvenue à rencontrer la chefferie? C'est bien ça le problème. Je reviens juste d'une rencontre avec eux. Et ils m'ont dit que nous devons arrêter tout ceci immédiatement. Tout ça parce qu'elle nous a dénoncés. Pourquoi est-ce qu'elle a fait je une telle chose? Je n'en sais rien. Je suis sûre. Où est-elle? Dis-moi où elle est. Elle n'est pas à la maison. Oh, nom de Dieu. Elle n'est pas à l'intérieur? Non. Tu en es sûre? Elle n'est pas là. Pourquoi est-ce que je te mentirais? Si je mets la main sur elle, si je l'attrape, ce que je vais lui faire, si je l'attrape. Oh Seigneur, elle n'est pas à l'intérieur. Je t'assure qu'elle n'est pas là. Hé. Hey. Ok. Je lui parlerai à son retour. Il ne s'agit pas de lui parler. Son défunt mari va la punir. Et si son défunt mari ne la punit pas, moi-même, je la punirai. Hé. Hey. Elle nous dénonce. Pas de problème. Pas de problème. Elle va voir. Hérétique. Elle a perdu la tête. Tu lui diras ceci, je reviendrai pour elle. Hérétique, tu ne sais pas ce que tu as créé. Hérétique, tu ne réussiras pas à me causer des problèmes. Mais comment est-ce que c'est possible? Comment a-t-elle réussi à rencontrer la chefferie? Mais attends, comment a-t-elle fait? Je l'attends ici. Mais maman, le problème n'est-il pas résolu? Comment cela? Bien, tu n'étais pas d'accord au départ. Maintenant qu'on leur demande d'abandonner... Ton père aurait voulu que cela se fasse s'il était encore en vie. Comment ça, maman? Ah.
Maman, tu connais très bien papa. Il n'aurait jamais voulu qu'Iréti subisse tout ceci. Tu sais, un jour tu seras mariée. Mettons la tradition de côté. Qu'est-ce qui arrivera à la postérité de la famille? Que va-t-il arriver? Tout ce qu'on possède dans cette maison, tout reviendra aux enfants de tes oncles. C'est ce que tu veux? Oh. Maman, je ne te suis pas là. Tu sais, je crois qu'Iréti devrait rester afin de faire un enfant pour la mémoire de son mari. C'est comme ça qu'on pourra perpétuer le nom de la famille. Maman? Oui, quoi? Comment peux-tu dire une telle chose? Écoute, ça importe peu de savoir qui sera le père. Le plus important, c'est qu'elle perpétue le nom de la famille. Et c'est tout. Oh. S'il te plaît, maman, laisse-la partir. Laisse Iréti partir d'ici. Redonne-lui son enfant. Laisse-la partir. Je ne lui redonnerai aucun enfant. C'est une pratique dépassée. Iréti n'ira nulle part, tu m'entends? Oh. Écoute, il est de ma responsabilité de m'assurer que le nom de notre famille se perpétue. Et je ne compte pas décevoir quiconque. Tu peux penser ce que tu veux. Maman, tout ceci n'est pas sain. Ce n'est pas sain. Tu sais quoi de la sainteté? Oh, toi! Iréti, ça ne va pas? Ces derniers jours, tu sors très tôt le matin et tu rentres très tard, hein? Écoute, reviens ici. Pourquoi es-tu allée parler à la chefferie? Maman, tu as oublié que tu as fait de moi une prisonnière. Fais gaffe à comment tu me parles, petite. Je respecte une femme qui se respecte elle-même. Garde tes stupides commentaires pour toi. Reviens ici. Maman, ne me touche plus. Ne pose plus jamais la main sur moi. Sinon, tu feras quoi? Écoute, aussi longtemps que tu seras dans ma maison, aussi longtemps que je te parle, tu feras selon mes règles. Reviens ici, Iréti. Iréti! D'accord. Vas-y. Tu reviendras, je t'attends ici. Hé, mon Dieu. Cette fille ose me défier. Sache que ce que tu as commencé, on le terminera. Je t'attends ici. Alors, j'espère que ça ne vous dérange pas. Vous pouvez... Bon, j'espère que ça ne vous dérange pas. Je n'ai pas eu l'occasion de sortir pour faire des courses et autres, donc, s'il vous plaît, prenez au moins ça. Non, merci, ça va. Je vous en prie. Alors, comment ça avance? Avez-vous des nouvelles de votre fille? J'essaie juste de ne pas perdre pied. Mon contact m'a appris que... il a été demandé à vos oncles, ou plutôt à vos beaux-parents, d'abandonner leur projet. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'ils soient prêts à le faire. Si seulement ça se passait dans mon village, ça aurait été très facile de régler ça. Mon père est quelqu'un de très influent là-bas. Vous en avez déjà beaucoup fait pour moi. Merci. Ce n'est rien. Je vous promets de voir ce que je peux faire pour trouver une solution à votre problème. Le souci, c'est que je ne suis pas ici pour très longtemps. Vous savez, je dois... m'en aller très bientôt. En fait, je ne suis là que pour donner un coup de main à un ami avec sa clinique dans ce village. En fait, on vit et travaille en Afrique du Sud tous les deux. Oh. Ouais. Je vois, votre famille doit vraiment vous manquer. Famille. Bon, ma femme est décédée. En plus, on n'a pas eu d'enfant. J'en suis vraiment désolée. Merci. Je vous promets de faire tout mon possible, en tout cas, pour que ce problème soit résolu. D'accord? Merci. Qui est-ce? Mmh.
Iretti, comment vas-tu? J'ai besoin de te voir en privé. Pourquoi vous verrouillez la porte? Iretti, sois une gentille fille, hein? Tu sais que nous devons respecter nos traditions. Quelle fichue tradition! La chefferie a dit qu'elle devait être abolie. Mais ils n'ont pas le droit d'intervenir dans nos affaires. Ok, très bien. Vous pouvez partir. Je vous verrai un peu plus tard. Iretti, donne-moi juste quelques petites minutes. Donnez quoi? Oh oui, rien que quelques petites minutes. Tu vas aimer. Ne posez pas vos sales mains sur moi. Ne me touchez pas. Oh. Non, t'as pas besoin de lutter si comme ça. Si jamais vous osez me toucher, je vous jure que je vais vous chiffrer. Calme-toi. Éloignez-vous de moi. Écoute, mon âge ne fait pas de moi un vieux. J'ai encore de la vigueur. Et allez, regarde, viens. Laissez-moi. Iretti, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Docteur, je n'en peux plus, je ne peux plus les supporter. Calme-toi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Calme-toi, c'est bon, j'ai fermé la porte. Respire, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi ce qu'il y a. C'est l'oncle de mon mari. Il est venu à la maison, il m'a trouvée dans ma chambre et... Je ne veux plus retourner là-bas. Et vous devez m'aider. Vous devez absolument m'aider. Vous devez le faire. Parce que je ne veux plus jamais me retrouver avec ces vieux pervers. Je ne veux plus jamais Iretti, revoir ces gens. Iretti, écoute-moi. Iretti, respire. Respire, d'accord? T'inquiète pas. Tu peux rester ici avec moi. D'accord? Tu peux rester ici. Tu seras en sécurité ici. Et ces gens vont payer. Ils doivent répondre de leurs actes. Je ne comprends pas. Pourquoi ils font ça? Écoute, je suis désolé. D'accord? Respire profondément, calme-toi. Tu es en sécurité. Ok. Assieds-toi. Tu es la bienvenue. Donnez-moi ici. Donnez-moi de l'eau. Je t'apporte de l'eau. Assieds-toi, tu es en sécurité. Maman, tu l'as retrouvée? Non, je ne l'ai pas retrouvée. Apparemment, personne ne sait où elle est allée. Hey, tout ça, c'est de ta faute. C'est de ta faute. En quoi est-ce que c'est de ma faute? Tu l'as poussée trop loin. Elle reviendra, t'en fais pas. Elle reviendra? Deux jours, maman, deux jours qu'on l'attend maintenant. Hey. Maman, s'il te plaît, ramène Zara, ouais. Je suis sûre. Tu vas la fermer, oui. Ramener qui? Ça ne va pas, non? Écoute, c'est juste une fugue et elle finira bien par revenir. Attends, et si jamais quelque chose de mal lui était arrivé? Rien de mal ne lui est arrivé et rien ne lui arrivera. Ne t'inquiète pas, elle reviendra. Pour sa fille, elle reviendra. Deux jours, maman. Deux jours, ce n'est pas très long. Et ça ne t'inquiète même pas. Est-ce que c'est une enfant? Pour que je m'inquiète. Hé, attends. Non, voyons. Tu n'as pas à faire tout ça. Je paye déjà quelqu'un pour faire ce travail. S'il te plaît, ne le prends pas mal. Je fais juste ça pour m'occuper. Iretti. J'insiste, d'accord? Tu es mon invité, je ne peux pas te laisser faire le ménage. Allez, s'il te plaît. Assieds-toi. Docteur, je dois retrouver ma fille. Elle est la raison de ma présence dans ce village. Je comprends parfaitement, mais je dois te poser une question. As-tu au moins une idée de l'endroit où ta belle-mère la garde ou où elle a été emmenée? Je n'en ai aucune idée. Ah, mais je suis sûr qu'elle est toujours là. Je suis sûr qu'elle n'est pas loin. Elle doit être quelque part dans le village. Je dois retrouver mon enfant. Je me sens tellement mal. J'ai mal pour ma fille. Tout ira bien. Je suis sûr que je lui manque. Ça va s'arranger. Je lui manque et je le sens. Je comprends. Je le sens, je le ressens tout au fond de moi et dans tout mon corps. Ça va aller. «
Je l'ai cherché absolument partout où je pouvais sans succès. J'ai demandé partout, personne ne sait où elle est allée. Voilà la situation. Hey, Ngozi, c'est un gros problème. Je ne te le fais pas dire. C'est un problème. Tu as cherché partout? Oui, dans tous les coins. Et tu ne l'as pas vu? Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais plus quoi faire. Tout ce que je sais, c'est qu'elle doit revenir, quoi qu'il en coûte. C'est impératif. Hey. Ah. Ketchi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. J'ai essayé de t'appeler, mais ton numéro est injoignable. Ça va, mon cœur. Je veux ma maman. Oh mon Dieu, elle est brûlante de fièvre. Son corps est brûlant. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade depuis quelques jours maintenant. Ça va. Je lui ai donné des médicaments, mais ça ne va toujours pas. Oui, ça va. Adané, tiens-la un moment. Ça va aller, mon bébé. Calme-toi. Calme-toi, mon joli cœur. On va aller à l'hôpital. Ça va. Ne pleure plus. Essaie de trouver son carnet de santé. Qu'est-ce que tu as, Gara? Dis-moi. Ça va. Arrête de pleurer. Je le mettrai dans la cuisine. Comme ça, à ton retour, tu pourras manger tranquillement. J'apprécie, même si je n'arrête pas de te dire, de ne pas te déranger autant pour moi, Iriti. Ce n'est pas grave. Je voulais aussi te dire que je vais aller à la maison aujourd'hui, histoire de voir si ma fille est revenue. Ok, bien. Fais attention à toi, d'accord? C'est compris. Merci. Merci infiniment de m'héberger chez toi. Merci pour les vêtements. Je sais que je suis un peu encombrante. Non, je t'assure que tu n'es pas du tout gênante, Iriti. T'inquiète pas, je le fais avec plaisir, d'accord? Tu es la bienvenue chez moi. Merci. Merci infiniment. Bon, je dois filer maintenant. Et pendant qu'on y est, je n'ai pas ton numéro de téléphone. Pour t'appeler juste au cas où... Hein? Ok. Tu n'as pas ton téléphone? Il est... Pas grave, vas-y, tape-le simplement. Très bien. Ok. Bon, je t'envoie un message. On se voit plus tard. Passe une excellente journée. Merci. Au revoir. Infirmière! Infirmière, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, madame? Dites-moi, comment va ma petite fille? Est-ce qu'elle va s'en sortir? On le saura quand on aura les résultats, madame. Elle refuse de manger, c'est ça le problème. Écoutez, ne vous inquiétez pas, le docteur sera bientôt là. C'est ce qu'on me dit depuis qu'on est arrivé. Le docteur sera bientôt là. Je l'entends depuis plus d'une heure et je ne vois aucun docteur. Ne vous inquiétez pas, il sera bientôt là, ok? Il sera là. Très bien. Il ferait mieux de se dépêcher. Bien sûr, madame. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de l'emmener ici? À vrai dire, docteur, elle était chez ma sœur, c'est pour cela. D'accord, et sa maman, où est sa mère? Hein? Êtes-vous son tuteur légal? Bien sûr que oui. Bien sûr que je suis son tuteur, je suis sa grand-mère. Et en plus de cela, sa mère, sa propre mère, l'a complètement abandonnée. Ah, je vois. Quoi qu'il en soit, je dois lui faire passer des examens. Je suis un peu inquiet pour sa respiration. Il faut donc que je fasse quelques examens. Ça va se faire juste à l'étage. Des examens? Docteur, écoutez, pourquoi ne pas prescrire des médicaments? Je sais qu'elle ira mieux ensuite. Je connais ma petite fille, elle est vraiment très forte. C'est vrai, mais malheureusement, madame, je ne peux pas vous laisser partir. Je dois la garder un moment pour observation. Oui, madame. Je croyais qu'elle était entre de très bonnes mains. Vous imaginez? Je l'ai laissée avec ma sœur et ses enfants. Je ne sais pas du tout ce qu'ils lui ont fait. Eh bien, ce sont des choses qui arrivent avec les enfants. Leurs corps sont fragiles. L'infirmière vous remettra le formulaire pour les examens. Ok, très bien. Très bien, je vais devoir y aller. Qu'est-ce que tu attends pour me remettre ce formulaire? Un instant. Shibuzo, grande sœur, où étais-tu passée? J'étais tellement inquiète. Où étais-tu? Où étais-tu? Je m'inquiétais tellement pour toi. Je vais bien, Shibuzo. Mais j'ai besoin de ton aide. Dis-moi où se trouve ma fille. S'il te plaît, dis-le-moi.
Je sais qu'un jour, toi aussi, tu deviendras mère et tu comprendras ma peine. Dis-le-moi, s'il te plaît, aide-moi. Ok, ok, d'accord. Il ne faut pas que maman le sache. Je ne dirai rien. Ok. Tu connais Tantogu? Tantogu, la sœur de maman. Elle est avec elle, je l'ai vue là-bas hier. Où ça? Elle a sa maison qui est proche du marché et elle a aussi un grand magasin. Oui, je me rappelle, je m'en souviens. Oui, c'est ça. Tu as déjà été là-bas, c'est bon? Merci beaucoup. Ce n'est rien. Oh, merci. S'il te plaît, une fois que tu l'as, enfuis-toi. Maman ne changera pas d'avis. Va-t'en. C'est compris. Je t'en prie. Merci. Mais enfin, où est-ce que tu étais? J'ai essayé de te joindre plusieurs fois déjà. Je suis allée chercher ma fille. D'accord. Et tu l'as retrouvée? Eh, hey, ça va. Dis-moi ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Soit elle m'a donné une fausse indication, ou soit ils l'ont emmenée ailleurs. Ces gens traitent cette petite fille comme si elle n'avait aucune valeur. Ça m'écœure. Tout ça me rend tellement triste. Ça me rend tellement triste. Ça va, ça va. Ça va. Eh bien, je dois aller à l'hôpital. Il y a cet enfant qui est malade et qui a besoin d'une assistance particulière. Visiblement, ses tuteurs ne prenaient pas vraiment soin d'elle. Alors, je dois y aller pour surveiller son état durant la nuit. J'y serai pour quelques heures, pas plus. Ok. Ça te dirait de m'accompagner? Non. Je comprends. Tu devrais te reposer. On se verra à mon retour. Iréti. Zara! Je suis désolée. Désolée, je rêvais de mon enfant. Non, désolée. Ça va. Ne me dis pas que tu as dormi ici toute la nuit. Tu viens à peine de rentrer. Ouais, on a failli perdre la petite fille dont je t'ai parlé hier nuit. Je devais rester pour aider. Pauvre enfant. Oh, non, non, ça va, elle va mieux. Dieu merci, tu dois avoir faim. Ouais, je vais me chercher quelque chose à manger. Laisse-moi faire. Oh non, ça va, laisse tomber. Je vais m'en occuper. J'insiste. Est-ce que tu voudrais m'épouser? Quoi? En fait, je viens de réaliser que si on se mariait, ça obligerait tes beaux-parents à te laisser tranquille. Ils n'auraient plus aucune emprise sur toi comme ça. Tu ferais ça pour moi? Oh non, je ne peux pas te laisser faire ça. Enfin, tu ne peux pas sacrifier ta vie pour moi. En plus, je ne voudrais pas me marier juste pour fuir mes problèmes. C'est juste pour régler ton problème, Iréti, rien de plus. Ce serait beaucoup plus facile si on se mariait et juste après, on pourrait toujours divorcer. Non, je ne peux pas te faire ça. Je me suis pratiquement imposée dans ta vie et tu... Iréti, retiens juste que je suis là pour toi. Quoi que tu décides de faire, sache que je serai là pour toi. Tu n'as pas à t'en faire. Je suis un peu occupé au travail, mais dès que j'ai un bout de temps, je t'aiderai à chercher ta fille. S'il te plaît, tu as déjà tellement fait pour moi. J'apprécie vraiment tout ça, mais je vais moi-même la chercher. Ne te dérange pas. On en reparlera plus tard. Je vais me chercher à manger. J'ai cuisiné quelque chose. Je l'ai posé sur la gazinière.
Ok. How can the day be without the sun? How can the night be without the moon? We can't be complete if we're not one. How can I live without you? How can one breathe without... Maman, où étais-tu? Tu n'es pas rentrée depuis hier. Qu'y a-t-il? Ma fille. Rendons gloire à Dieu. Ma petite fille. Zara a failli mourir. Quoi? Comment? Où? Ketchi l'a ramenée hier. La petite avait une température très élevée. Elle était sur le point de mourir. Alors je l'ai emmenée d'urgence à l'hôpital. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, j'ai failli perdre ma petite fille. Je remercie Dieu pour le docteur qui était là ce soir. Hey! Maman. Maman. Oui. Retourne la petite à sa mère. Retourne-la à sa mère. Regarde ce que tu fais subir à la petite. Imagine un instant. Et si elle était morte? C'est ce que tu souhaites? Seras-tu responsable de sa mort? Je ne rendrai pas Zara à sa mère. J'ai déjà pris ma décision à ce sujet. Quand elle sera majeure, elle fera ce que sa mère a refusé de faire. Maman. Oui, ma fille. J'en ai fini. D'ailleurs, je suis venue prendre quelque chose à manger. Maman. Ngozi. Ngozi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur. Quoi? Tu dois aller immédiatement chez moi à la maison. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Si j'ai couru jusqu'ici, c'est parce que ta fille veut te tuer. Ma propre fille? Hey, me tuer? Raconte-moi ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Tu le sauras. Tu le sauras quand tu y seras. Dépêche-toi d'aller chez moi. Vas-y et cherche à voir mon mari immédiatement. Oui, fais-y. C'est aussi grave que ça. Dépêche-toi, je vais chercher mon sac, attends-moi. Suis-moi, Zara est à l'intérieur. Je vais la surveiller. Surtout, prends bien soin d'elle, tu veux? Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je trouve que ce vin de palme est meilleur que celui d'hier. C'est bon. Il est bien frais. Goûte, tu verras. J'espère que je ne dérange pas. Bonjour, chers aînés. Bonjour, Ngozi. Sois la bienvenue. Merci, j'espère que vous allez. Ça va. Et toi, ça va? Oui, ça va. Adane m'a rejoint à l'hôpital tout à l'heure. Et elle m'a demandé de passer vous voir urgemment. Bon, voilà. J'espère que tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Shibuzor vient de partir de chez moi. Shibuzor? Ma fille Shibuzor? Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle voulait? Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. Hein? Très, très important. Elle vous a dit de quoi il s'agissait? Bien sûr, elle nous l'a dit. Enfin. Et qu'est-ce que c'est? Elle a dit qu'elle a décidé de donner naissance au prochain garant du sang. Qu'elle veut bien prendre la place de sa belle-sœur au nom de la tradition. Shibuzor! 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 Mais où est-ce qu'elle est, cette gamine inconsciente? Shibuzor, où est-ce que tu es? Maman! Petit imbécile, ça va pas la tête! Tu es devenue folle ou quoi? Ah! Idiote! Ah! Est-ce que tu as perdu la... C'est mon choix! Ton choix! Ton choix! J'ai le droit! Est-ce que tu es vraiment stupide? Maman! Maman, écoute! Écoutez quoi? Maman, tu peux me battre jusqu'à l'an prochain si tu veux. J'ai pris ma décision. Oh, vraiment? Quand tu seras enfermée ici, on verra bien si tu auras pris ta décision ou pas. Maman, tu veux m'enfermer ici? Écoute-moi bien. Tout ce que je suis en train de faire, je le fais pour ton bien. Maman, tu deviens hypocrite. Mon Dieu, qu'est-ce que tu dis? Laisse-moi te prévenir et écoute très bien. La prochaine fois que tu prendras une décision sans me consulter, je te le jure, je vais te battre à mort. Allez, entre là. Tu vas pouvoir réfléchir un moment. Maman, maman, ouvre cette porte. Imbécile. Maman, s'il te plaît. Tu ferais bien de la fermer, tu entends? Comment veux-tu que je réfléchisse dans ces conditions? S'il te plaît, ouvre, maman. I don't know what I'm doing if it's right though. Not much fight left to me. I can feel my strength drained out from me. Standing on the wrong side of destiny. Trying to hold on to what I need. One moment of hope. Toi, j'ai pourtant cru que tu avais quitté cette maison pour de bon. Maman,
Où se trouve ma fille? S'il te plaît, rends-moi Zara. Pas question. Maman, tu ne gagneras pas. Tu ne gagneras pas cette bataille. Tu crois? Je te promets de gagner cette bataille. Je ne me bats pas pour perdre. Et tu sais quoi? Tu vas continuer à assurer la lignée de mon fils. C'est ton devoir. Je ne le ferai pas. Ah. Aucun problème. Puisque tu refuses, je suppose que Zara se chargera de continuer à assurer la pérennité du nom de son père. Et elle enfantera le prochain garant du sang. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais je sais que ma petite fille, au moins, pourra m'apaiser le cœur. Quel genre de mère es-tu? Maman, une mère qui a le culot d'obliger sa belle-fille à se soumettre à des pratiques étranges avec d'autres hommes? Une mère qui veut forcer sa petite-fille à se soumettre à cette tradition dégradante? Maman, tu es sadique, laisse-moi te le dire. Tu es perverse. Tu es une mère indigne. Tu ne t'échapperas pas cette fois, je te le promets. Tu ne retrouveras jamais ta fille. Aïe, elle est aussi violente. Je n'y crois pas. Oh, ça alors, il faut que je fasse attention. Ngozi, ne me dis pas que tu as laissé Zara seule à l'hôpital. Non, ne t'en fais pas, Nkechi la surveille. Elle est auprès d'elle, rassure-toi. Ne t'en fais pas pour ça. Ma fille, je suis à toi. Donc à cause de la femme de ton défunt grand frère, hein? Tu veux sacrifier le privilège que tu as de vivre ta vie comme tu le souhaites pour le restant de tes jours. C'est bien ce que tu veux. S'il te plaît, parle-lui. Parle-lui pour moi. C'est aussi ta fille. Donne-lui des conseils, je ne sais pas. Écoute, ma fille ne sera pas une prisonnière dans cette maison. Pas après ce que j'ai enduré. Regarde dans quel état tu mets ta mère. Ma fille, est-ce que tu sais combien d'années elle a pris pour te concevoir après la naissance de ton grand frère? Tu en as idée? Ma tante, je ne veux pas faire souffrir maman. Pas du tout. Mais souviens-toi. Souviens-toi de toute la souffrance qu'elle inflige à Iriti. Que Dieu te cloue le bec. Oh, ça va. Que Dieu la punisse. Ngozi. J'entends ce qu'elle dit. Maman, tu peux continuer. Mais Dieu ne me punira pas parce que je fais ce qui est juste. Quoi qu'on dise, ne s'agit-il pas du titre calme de mon toi. Père? Et si la tradition demande un successeur, ça devrait être moi. Pas la femme de mon défunt frère. J'entends tout Ngozi, ça. Calme-toi. C'est moi qui l'ai mise au monde. Je peux aussi ne la dis suivre. Pas ça. Et je le ferai sans remords. S'il te plaît, Ngozi, calme-toi. Elle ne sait pas de quoi est-ce qu'elle parle. Tu ne devrais pas prendre ce qu'elle dit trop à cœur. Elle sait parfaitement ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle mérite d'autre? Ça va, n'aggrave pas la situation. Ne t'inquiète pas. Imagine un scénario. Si tout de suite le doyen Mazi, avec son acolyte, entendent ce qu'elle dit, et ils vont alors décider d'honorer son souhait. Et son sera fini. Cela n'arrivera pas. Je te le dis. Chibuzor est la seule fille de cette famille qui ne voudrait pas de son bonheur. J'ai déjà pris ma décision. Hein? Le garant du sang, je l'enfanterai. Je vais hériter. Ne fais pas je ça. Je vais la tuer. Calme-toi. De mes propres mains. Ngozi, s'il te plaît. Petite ingrate. Que Dieu te rende stérile. Arrête de la maudire, hein? Laisse-la avec moi un moment. Je vais lui parler. Celle-là, tu peux t'en occuper. Tu penses vraiment que tu peux lui faire entendre raison? Tu penses cette ça? Cette petite est une enfant gâtée. Ça se voit bien que Chibuzor se comporte comme ça à cause de la situation. De quelle situation tu parlais? Elle a toujours été comme ça. Tu sais que c'est une jeune fille. À cet âge, elle ne réfléchisse pas assez. Rien dans Laisse-la la tête. Enfin. C'est comme ça qu'elle me remercie. Je fais ce qui est juste. Arrête, calme-toi. Tu seras stérile ça si suffit, tu suffit, tu ne fais que l'encourager. Hein? T'énerver n'arrangera pas les choses. Je m'en fiche. Calme-toi. Où se trouve la grand-mère de la petite? Elle est partie depuis ce matin. Et elle n'est toujours pas revenue. Alors elle a laissé la petite fille ici, toute seule? Non, il y avait une jeune fille avec elle. Mais je ne sais pas où elle est. Ok, je peux jeter un œil à son bilan? Oui, docteur. Très bien. Zara, c'est ça? Oui, Zara Onyebuchu. Euh,
Laisse-moi lui prescrire ses médicaments. D'accord, docteur. Merci. Allô? S'il te plaît, tu peux venir ici à l'hôpital, j'ai besoin de te voir. Dès que possible, s'il te plaît. Merci. Zara! Chut, on lui a donné quelque chose pour dormir, doucement. Viens, on va parler dehors. Viens! Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien. Allons-y. Attends un peu. Donc c'est bien ta fille? Bien sûr! C'est ma Zara! Comment tu l'as retrouvée? Ça fait maintenant 4 jours qu'elle est ici. Quoi? Oui. Tu te souviens, la petite fille dont je t'ai parlé, celle qu'on a failli perdre? Il s'agissait de ma Zara? Oui, mais elle va bien maintenant. Elle va mieux. Elle avait une très forte fièvre qui faisait qu'elle ne pouvait pas parler. Ces gens sont sans cœur. Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça à une petite fille innocente? Ils voulaient la tuer ou quoi? J'ai failli la perdre. Je suis désolé, sincèrement. Je vais la ramener à la maison. Non, attends. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Il faut qu'on soit très malin. On va devoir être bien plus malin qu'eux, Iriti. Si tu la ramènes avec toi à la maison, tu auras des soucis et l'hôpital aussi risque d'en avoir. Tu dois me faire confiance. Ok, mais et si ces gens reviennent et qu'ils décident de me l'enlever une fois de plus? Tu dois me faire confiance, Iriti. J'ai un plan et on va le suivre, d'accord? D'accord? Est-ce que je peux rester avec elle? Ouais, tu peux. Je peux, tu dis? Oui. Mais s'il te plaît, ne la réveille pas. La réveille surtout pas. Shibuzo, je vais à l'hôpital. Si tu as faim, tu as ton repas dans la cuisine. Écoute, hein, si tu veux, tu peux rester affamé aujourd'hui. Ça ne me fera pas du tout changer d'avis. Maman, laisse-moi. Je vais mourir de faim. Laisse-moi tranquille. Oh, mon Dieu, cette petite. Tu veux mourir de faim? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Vas-y, ça va. Tu es vraiment très méchante. Moi, méchante? Tu traites ta mère de méchante? Tu ne perds rien pour attendre. Attends un peu que je revienne de l'hôpital et on reparlera de tout ça. Moi, méchante. Très bien. Oui, tu es méchante. Et je n'ai plus rien à dire. Ah, docteur! Docteur! Oui, madame? Ne le prenez pas mal, surtout. Je voulais vous demander, ma petite fille se porte de mieux en mieux. Est-ce qu'on peut rentrer maintenant? Oui, vous pouvez, mais j'aurais besoin que vous remplissiez un petit formulaire. Un formulaire? Quel formulaire? En fait, ce n'est rien de compliqué, c'est juste pour confirmer que vous êtes la tutrice légale de la petite. Pour confirmer? Oui, c'est un formulaire de confirmation. C'est juste que c'est très important pour l'hôpital que vous attestiez par écrit que vous êtes bien sa tutrice légale. Pour éviter les problèmes de transparence. Donc c'est un formulaire de tuteur? Un formulaire de tuteur, si vous voulez. Ouais. D'accord. Si vous me l'apportez, docteur, je pourrai le signer. Et après ça, on pourra s'en aller, n'est-ce pas? Pas de problème, madame. Je dirai à l'infirmière de vous l'apporter. Bien, madame. Ok, merci. Je vous en prie. Zara! Vas-y, raconte-moi. Est-ce qu'elle l'a signé? Oui, elle l'a fait. Elle a vraiment signé? Oui, elle l'a signé. D'accord. Alors, c'est quoi la suite? J'ai passé un coup de fil. Okay. Zara sera libérée demain. D'accord, et tu pourras super. Passer. J'espère que ça va marcher. Oh, t'inquiète pas, ça va. Ça va le faire. Merci. Merci infiniment. Pas de quoi. Iriti, ce n'est rien. Je ne te remercierai jamais assez. Non, ça va. Alors, comment était ta journée? Bien, j'ai vu Zara, alors c'est bien. Belle journée en effet. Je l'ai vue. On attend la suite. Je suis tellement contente. Mon joli cœur, tu veux que je t'achète un Fanta? Hein? Tu veux une bouteille de Fanta?
Zara, ma jolie petite fille. On sent bien qu'elle sort de la maladie. Elle ne veut même pas sourire. Alors, comment vont les affaires? Oh, ma chère, on s'accroche comme on peut. Oh, mon joli. Le docteur est là. Oh, bonjour, docteur. Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Alors, comment va ma patiente? Elle a bien dormi? Oui, elle a très bien dormi. Ok, c'est bien. Comment tu vas, toi? Vas-y, souris un peu. Elle ne veut pas sourire, ne faites pas attention. Très bien, je pense qu'il est temps qu'elle rentre. Enfin, j'ai réglé les factures, tout est bon. Pas tout de suite. Pardon? Le formulaire indique que c'est vous, statutrice légale. Ce qui veut dire que ses parents vous l'ont volontairement confié. Oui, oui, c'est le cas. En effet. Très bien. Sa mère est là. Elle affirme le contraire. Sa mère? Où est ma fille? Rends-moi ma fille. Madame, voilà, madame, s'il vous plaît. Madame, veuillez nous suivre au poste de police. Non, pas moi. Hein? Vous êtes policier et ceci est une affaire de famille. Ceci est une affaire familiale. Adané, tombe pas. Oui, bien sûr. Adané, j'ai besoin de toi. Mais quand ça devient une affaire d'enlèvement, la police intervient. Une affaire de quoi? Maman. Iriti. Iriti, comment peux-tu me faire ça à moi? Ça va. Elle ne vous a rien fait. Je suis là, mon bébé. Mais votre signature sur le document indique que vous êtes en cause. Vous avez menti sur le fait qu'elle vous l'avait confié. Monsieur l'officier, quand mon fils, Onye Boutchou, son défunt mari, le père de Zara, était sur le point de mourir, il a dit, « Maman, prends soin de ma famille et spécialement de ma fille Zara, donc c'est moi qui suis... » Docteur, prenez la fille. Mais non, mais laisse ma fille tranquille. Docteur. Et voilà, 6-5, et je tombe là. T'as vu? Ebuka! Où est-ce que tu es? Qu'est-ce qu'elle a à crier? Ebuka! Nous sommes foutus! Pourquoi tu cries comme ça? Ça dérange tout le voisinage. Ebuka! Hein? Ekwe! La police arrive! La police, tu as oui, dit? Oui, la police! La police, je te dis! Mais pourquoi? C'est Iriti! Iriti a appelé la police! Elle a appelé la police pour arrêter Ngozi. Qu'elle appelle la police comme elle l'a fait l'autre fois. Pourquoi elle fait ça? C'est pas pareil. Et alors? Qu'elle appelle la police? Écoute-moi bien. Je m'en fiche. Cette fois, c'est différent. Qu'elle appelle la police? J'attends. Ils sont peut-être en route. Je m'en fiche. Les voilà qui arrivent. Est-ce bien la maison de Mazi Abe Ebuka? Officier, est-ce qu'il y a un problème? Hein? Veuillez nous suivre au poste de police. Avancez. Officier, je n'ai rien fait du tout. J'ai les mains innocentes, officier. On y va. Avancez, non, vous allez-y, on vous suit. Déjà, pourquoi vous avez une arme? Ne m'obligez pas à vous mettre les menottes. Ça va. Officier, venez, s'il vous plaît. Officier, venez voir. J'ai de l'argent, je peux vous en donner. Plus vite! Allez, on y va! Je viendrai vous voir plus tard! Vous venez, vous aussi! Mais j'ai dit, vous venez! Je ne suis pas concernée! Avancez, madame! C'est juste mon mari, c'est tout! Je vais prendre mon sac! Madame, c'est par ici! Iriti. Iriti, pourquoi tu as emmené encore un autre problème de famille au commissariat? Un problème de famille? Kidnapper ma fille, c'est ça que tu appelles problème de famille? Parle-lui. De quoi est-ce qu'elle parle? Iriti, s'il te plaît, je t'en supplie. Essaie de te calmer. Détends-toi et allons régler ce problème à la maison. À la maison? Oui, c'est ça. Je n'y remettrai plus jamais les pieds et ma fille encore moins. Bon, écoute, ce que j'ai à dire, c'est que... Taisez-vous. Qui vous a donné la parole? Excusez-moi. Écoutez-moi bien. Iriti, ici présente, a fait appel à un avocat. Je vous conseille à tous d'en faire autant. Parce que vous allez devoir répondre de vos actes lors d'un procès pour kidnapping d'enfants. Seigneur! Iré. Désolé, c'est comme ça que mon fils l'appelait.
Iris, s'il te plaît, n'oublie pas que je suis comme ta mère. On te supplie. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Iris, bébé. Nous sommes foutus. On peut encore respirer. Iris. Iris. Iris, s'il te plaît. D'accord, je vais dire la vérité. Je ne sais pas par où commencer, mais je vais quand même essayer. Je vais le faire. Bien avant la mort de mon frère, le père d'Onye Buchu. Il nous a dit d'abolir le titre de garant du sang. Mais qu'est-ce que... Il a dit. Il l'a bien dit à nous tous. C'est Kwe qui est revenu sur cette histoire. Et il a dit qu'il voulait Direti. C'est la raison pour laquelle on en a parlé. Voilà la vérité. Et Kwe? Et Kwe? Mon frère, tu te rends compte que ça fait un an qu'il est décédé? Oui, effectivement. Pour tout te dire, je m'en suis rendu compte lors de la cérémonie de commémoration. Hey. Un an jour pour jour. Ça passe tellement vite. Vraiment vite. Le jeune Onye Buchu. C'est la vie, mon frère. Pendant qu'on y est, qu'est-ce que tu penses de sa femme, Iriti? Iriti? Elle est malade? Non. Mais c'est une très très belle femme. Mon frère, tu as le don de toujours tout gâcher, alors s'il te plaît, c'est la femme de notre défunt. Mais tu ne te rends pas compte qu'à chaque fois que je la vois, il y a tout mon corps qui me fait djikpé. C'est la veuve d'Onye Buchu, tu le sais bien. Mais Onye Buchu est mort. Et alors? Alors laisse-moi t'expliquer une ou deux choses qu'on pourra faire pour qu'elle puisse accepter. Attends, je ne sais pas si je te suis bien. Vas-y, explique. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est ramener le titre de garant du sang. Si on fait ça, elle acceptera. Non. Je me souviens qu'avant la mort du père d'Onye Buchu, il nous a demandé de l'abolir. Et nous l'avons fait. Tu t'en souviens bien? Donc, pourquoi on devrait ramener ça? Qui d'autre sait qu'il a été aboli? Même sa propre femme n'a pas la moindre idée qu'il a été aboli. Et donc? Maintenant tu parles. Bon, écoute... Si on ramène le titre de garant du sang sur la table, on pourra alors l'assigner à Iriti. Et on menacera Ngozi si elle ne parvient pas à la convaincre. On utilisera ce titre qu'on attribuera à Shibuzor. Donc, attends un peu. Je veux être sûr de bien comprendre. Si Iriti refuse et qu'on l'attribue à Shibuzor... Ngozi cédera. Elle cédera parce qu'elle ne voudra pas que cela retombe sur sa propre fille. C'est à ça que tu veux en venir. Exact. Parfois, tu as de belles réflexions, hein. Dans ce cas, mettons-nous d'accord. Alors, ce qui va se passer, on va se faire la passe. On va se la partager tour à tour. Je la prends un jour et toi le jour d'après. Voilà, t'as tout compris. Sacré Kwe. Allez, avoue que c'est une idée que tu avais derrière la tête depuis longtemps. Toi, tu n'y as pas pensé, dis-moi. T'as pas remarqué à quel point elle est belle, cette fille? C'est vrai qu'il m'arrivait d'y penser, mais pas au point de... Tu vois, allons boire un coup. Ah, mon frère. Je n'y crois pas. Alors, c'est comme ça que les choses se sont passées. Maman, tu m'as fait subir tout ça juste pour assouvir les fantasmes de Mazie et Wei. Je te le jure, je ne le savais pas. Je te promets, je ne le savais pas. Ça, ce n'est rien. J'ai tellement honte de toi. Écoute, Iriti. Tu sais, j'aurais laissé tomber si tu m'avais permis de faire un seul coup, un tout petit coup. Écoutez-moi, silence. Maintenant que tout est devenu clair, sachez que vous n'échapperez pas à la loi. C'est bien clair, c'est ces deux-là. Iriti. Officier, s'il vous plaît, Iriti, nous sommes déjà vieux, déjà proches de la tombe. Si on va en prison, nous sommes morts parce que justement. On ne sortira plus jamais, hein, ma fille. Monsieur l'officier, en ce qui me concerne, oui, moi aussi. Nous concerne, elle et moi, Dané, nous sommes totalement innocentes. Ce monsieur sans scrupules, mon mari... Ce vieux vicieux qui est là devant vous, vous devez le mettre en prison. Avec son acolyte ici présent, mettez-les tous en prison. Exactement. Ayez pitié, s'il vous plaît.
Si quelqu'un doit être relâché ici, c'est nous. Parce qu'elle m'a soutenue durant cette épreuve. Tu as vu ce que tu as fait? C'est de ta faute. Je te l'avais dit, je te l'avais bien dit. Regarde aujourd'hui où nous en sommes. Nous ne sommes pas concernés. Officier, s'il vous plaît, enfermez-les. Monsieur l'inspecteur, merci infiniment. Merci, merci, j'apprécie énormément. Je vous en prie, madame. Je n'ai fait que mon travail. Vous savez, quand le docteur Chetet a appelé le docteur Tafik, qui est le propriétaire de la clinique, et qui lui-même m'a ensuite appelé, je savais que je devais répondre présent. Oh mon Dieu, je ne vous remercierai jamais assez. Je vous suis reconnaissante. Je vous en prie. Vous êtes sûr que vous voulez retirer votre plainte? Je veux dire, ils ont fait quelque chose de très grave. J'ai récupéré ma fille et c'est tout ce qui m'importe. Je vais couper les ponts avec eux. Je vois. Je quitterai le village demain à la première heure et je ne reviendrai plus jamais ici. Ok. Nous sommes des gens très hospitaliers, normalement. Et je suis désolé pour ce qu'ils vous ont fait. Oui, vous savez, mon défunt mari était vraiment quelqu'un de bien. Mais de son vivant, je n'étais jamais venue ici. Je comprends. Cependant, je vais m'assurer qu'il passe 2 jours derrière les barreaux pour vous permettre de quitter tranquillement le village. Et je leur ferai signer un document pour qu'ils ne vous persécutent plus, vous et votre fille. Merci beaucoup, inspecteur. Les mots me manquent, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci vraiment. Mais de rien. Merci à toi. How do I survive with this pain? How can the eye see without the head? Life without you is just insane. Allô, Shibuzo? Allô? Bonjour, belle-sœur. Où es-tu? J'aimerais te voir. Je m'apprête à quitter le village. Belle-sœur, j'ai appris ce qui s'est passé. Et j'en suis vraiment désolée. Shibuzo, tu n'as pas à t'excuser. Tu n'as rien fait de mal. En plus, tu as essayé de m'aider. S'il te plaît, tu peux me donner des nouvelles de ma nièce de temps en temps. Ça me ferait plaisir et je ne le dirai pas, maman. D'accord, merci beaucoup. On reste en contact. Je te souhaite le meilleur. Merci et au revoir. Au revoir. How can the day be without the sun? How can the night be without the moon? We can be complete if we're not one. How can I live without you? Shibuzo. Ah. Chetet, tu n'es pas obligé de venir avec nous, tu sais. Comme je te l'ai dit, mon boulot ici est terminé. Le remplaçant est déjà arrivé depuis hier, donc je dois partir. Je vois. Ouais. Ok, alors combien de temps tu comptes rester? Avant de rentrer chez toi? Je serai à Lagos pour une semaine ou deux. Oh, c'est excellent. Mm-hmm. Oh mon Dieu! Mm. Je suis si impatiente de retrouver ma vie, j'ai même envie de crier. C'est le plus long mois que j'ai vécu de toute ma vie. Ok, si tu veux. Mais n'oublie pas que tu m'as rencontré. C'est vrai que je t'ai rencontré. Merci beaucoup. Il faut que j'aille chercher Zara maintenant. D'accord. How can I live?
my survival despair. How can the eye see without my head? Life without you is just insane. Lost in the dark with no light.